Bonjour, bienvenue sur le plateau de Parlons Peu, Parlons Bien. Vous êtes bien sûr Radio Mbote, la voix de la diaspora africaine. Chaque week-end, eh bien, nous avons le grand plaisir de vous accueillir avec quatre invités qui font autorité dans leur domaine au sein de la diaspora africaine et avec qui nous allons faire connaissance et surtout parler de leur agenda respectif. Aujourd'hui, exceptionnellement, eh bien, nous aurons une seule femme et quatre hommes qui vont évidemment venir vous dire ce qu'ils nous concoctent pour les prochaines semaines. Je vais donc vous les présenter. Un grand privilège donc d'accueillir Jackie Kibasa Maliba, qui est la chargée des relations publiques de l'association des anciens élèves de Manula. Cette école emblématique fondée il y a de cela 50 ans exactement, ça tombe bien, le 50e anniversaire sera célébré le 19 mars prochain au Centre culturel Arménia. Jackie Kibasa Maliba, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de répondre à nos questions. J'accueille également Richepin Hugues Njenia, il est cofondateur de l'Écrime Africaine, mais surtout éditeur responsable du guide, le guide africain, pour être bien précis. Il va nous parler de cette soirée qu'il organise le 18 mars prochain, ce sera au Curo Hall. Richepin Hugues Njenia, bonjour. Bonjour, bonjour Henri. Merci, merci d'être là. Caris Bassoko, consultant en marketing politique. Avec lui, bien, nous allons évoquer, je dirais, l'évolution des mœurs politiques, mais surtout la communication politique telle qu'on pourrait le concevoir en République démocratique du Congo. Caris Bassoko, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et nous accueillons un artiste très prometteur. Il évolue sur le registre hip-hop. Son premier single, Madame Moka, fait un carton sur le net. Il s'appelle bmador Grâce, il nous fait l'honneur et bien de se présenter à nous aujourd'hui. Bmador Grâce, bonjour. Bonjour. Et à la régie, comme toujours, Jean-Jacques, le concepteur inspiré de Radio Mbote, qui va donc nous accueillir tout au long de cette émission. Je me tourne vers bmador Grâce, très heureux de vous accueillir ici sur Radio Mbote. Votre clip Banamboka fait un carton sur le net, je l'ai vu, je suis vraiment impressionné. Vous êtes plutôt sur le créneau hip-hop, vous chantez, vous rappez plutôt en français et en lingala. Alors peut-être en quelques mots pour ceux qui ne vous connaissent pas, dites-nous un peu comment tout ça a commencé finalement. Est-ce que vous avez toujours été fan de rap et surtout pourquoi avoir décidé de vous lancer? Mais en gros, à l'âge de, on va dire, de 13 ans, okay. Avec mes cousins, mes frères, on a essayé de créer un groupe. Ça s'appelait comment? Ecos à la moto. Oh! Voilà, donc, ça va être chaud. Ça va être chaud, donc ça sera chaud, ça va être chaud. Excellent. Et c'est là que c'est parti. Bon, moi, à cette époque-là, j'étais pas vraiment dedans. Mais on va dire, grâce à eux, à un ami à moi particulièrement, Kélo. Donc j'ai pris goût dans la musique, donc vraiment dans le rap. Après, bon, j'ai arrêté pendant longtemps, vraiment des années, pour plusieurs raisons. Et jusqu'à ce qu'on arrive en 2016, mais voilà, j'ai décidé. Vous avez franchi le pas. Voilà, donc, voilà, de me lancer personnellement. Et comment ça s'est. Dites-moi un peu comment vous êtes organisé. Est-ce que vous avez été trouvé un producteur? Vous êtes lancé vous-même? Vous avez dû convaincre des gens, en fait. Voilà, mais quand j'étais un peu jeune, il y avait déjà d'autres grands en moi qui faisaient de la musique, du rap, qui. Voilà, j'étais passionné par eux. Ok. Et donc, voilà, une des personnes est à côté de moi. Oui, comment elle s'appelle? La Panthère Noire. Panthère Noire, enchanté, il est avec nous dans le studio, merci d'être là. Donc voilà, donc c'est vraiment par rapport à lui, donc en 2016 on s'est vu, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu, on s'est vu et directement et voilà, il m'a motivé, il m'a dit voilà, d'accord. Le temps. Donc on a fait un morceau ensemble, tous les deux. Mm-hmm. Et puis pour, et donc, du coup, pour mon deuxième morceau, donc j'ai fait un contact avec mon cousin qui, voilà, qui est plutôt linéraphone. Il m'a beaucoup motivé qu'on fasse un morceau à linéra. Et voilà, c'est là que c'était parti. Et voilà, alors, quelles sont vos références, vos sources d'inspiration? Parce qu'on a toujours des repères, hein, des modèles. Voilà, des moi, généralement, j'aime bien la musique congolaise en général, la musique africaine même, pour pas dire congolaise. La musique africaine en général, je suis mal là-dedans. Et après, il y a les rappels tout simplement. Et puis, c'est, voilà, c'est un peu gros, mais il y a la Panthère Noire, voilà, c'est moi la personne qui m'a beaucoup plus inspiré. D'accord. Je me suis beaucoup inspiré de lui. Je m'attendais à ce que vous me disiez Tupac, voilà, Dr. Dre, c'est trop simple. Voilà. Après, c'est des personnes que j'écoute. Hein. Belle démarche. Voilà, les rap français, j'ai écouté, etc. Mais après, moi personnellement, j'ai un style assez spécial, assez personnel.
mes sources et tout. Un style personnel que Radio Mbote se fera un plaisir de proposer à ses auditeurs, où on y reviendra également tout à l'heure. Comment ça a été le tournage finalement? J'ai vu le clip, hein. Ça a été facile de monter ça, vous avez recouru à des amis. Voilà, il faut savoir que tout ce que je fais pour ça, c'est moi. Indépendant. C'est sur fonds propres. Hein. Donc, voilà, on n'est pas soutenu, il n'y a pas de subvention. Voilà, c'est moi et mes potes, ceux qui me soutiennent. Que ce soit même au niveau. Là, il y a mon caméraman, voilà. Ben, je pense pas que vraiment il a un gros salaire. Mm-hmm. Et c'est vraiment voilà, par passion qu'on le fait. Et du coup, voilà, on a monté ça ensemble. Voilà. Donc, et, que ce soit au niveau studio, ben, avec des amis, on contribue. Et puis, on peut, en tout cas, votre single est le bienvenu ici à Radio Mbote. Je fais d'ailleurs un petit clin d'œil à Jean-Jacques Lem qui se fera donc un devoir de le passer pour ceux qui nous suivent. On se retrouve dans quelques instants après la pause. Bolo bakamingi, ebana mboka, bozonga mabela bakoko, awali solo ya mbongo, bisolo ya boloko, mokili yango bolono, ndeko bongola makanisi na yo, mwana Kongo, mbanza Kongo. Sala yo mate, c'est mon inga bomera kana ye. Lelo na ye, tamba ko sala, duka musala, tika ba piaka, bokanisate, kula matata, soki binote, single ko katana. Tosanga ne bele, tokolonga, attendele. Na beta kuluna, na sala kambongo, na beta boloko, na bungisa tango. Bana mboka, tozonga mboka, tokolonga, tokolonga. Na beta kuluna, na sala kambongo, na beta boloko, na bungisa tango. Bana mboka, tozonga mboka, tokolonga. Bmador Grasse qui est un rappeur plein de talent et qui va donc nous réserver pour les prochains mois, et bien, de belles surprises. J'ai des projets, bien évidemment, j'imagine. Bien évidemment. On peut en parler? Oui, en gros. Ok. L'année 2016, c'est vraiment l'année où je me présentais. Aux élections? Ouais, aux élections musicales, on va dire. D'accord. Donc, du coup, il y a des candidatures. Excellent. Donc, du coup, je vais faire beaucoup de clips. Okay. Pour que les gens puissent savoir un peu quel genre de style j'ai, etc. Mm-hmm. Après, pour 2017, là, ça va être des projets un peu plus concrets. Est-ce que vous êtes à la recherche de partenaires ou éventuellement d'un financement? Et si c'est le cas, avez-vous des pistes pour l'instant ou pas? Non, mais pour l'instant, je suis indépendant. Donc, du coup, je préfère en fait travailler avec des personnes qui... Concrètement, moi, j'ai envie de vous soutenir. Je fais quoi, concrètement? Ben, plus ou moins, tout dépend à qu'est-ce que vous allez me proposer. De l'argent. Ben, je prends tout de suite. D'accord, je fais quoi? Je vous le donne en cash? Il y a un compte Pas en cash, pas tout de suite en cash. Je pense qu'il est, là, il est important de connaître d'abord quels sont mes projets. Et si une personne ramène de l'argent, évidemment, elle doit savoir d'où va aller son argent. Quoi. Voilà, une démarche bien sage. Assez inhabituelle. J'ai une ligne de conduite, en fait. Donc, ben, voilà, je monte ma ligne de conduite en fonction de ses moyens. Ben, si il sait m'aider, mais... Toute personne est bienvenue. Alors, vous êtes aussi très engagé, on va dire ça, parce que j'ai votre clip, je l'ai regardé évidemment. Vraiment, vous traitez de sujets d'actualité. Hein. Vous êtes vraiment dans ce que les gens vivent finalement, je veux dire, au quotidien. Vous faites appel à la conscience des gens. C'est quelque chose qui vous tient à cœur? Bien sûr, ça, en gros, moi, mon rap, c'est vraiment du vie et vécu. Donc après, voilà, moi, je pas forcément vécu, hein. Voilà, une vie. J'ai une vie très complexe, on va dire. Mm-hmm. Racontez-nous, ça nous intéresse. C'est, je pense que c'est trop long, donc il faudra une autre émission. On va faire un effort. Hein. Voilà. Donc en gros, voilà, j'ai une enfance un peu compliquée. D'accord. Et voilà, tout ça, je pense que ça très jeune, j'étais mature, voilà, du coup. D'accord. Voilà, après, mon rap en français, c'est moi, mon vieux, mon vécu. Et dès que je touche en lingala, en fait, moi, j'ai les soucis de parler, qu'il y a des problèmes concernant les noirs. Donc ça c'est moi par rapport à ça. Non mais c'est un choix qui est... Voilà, je crois que la chanson Banamboka c'est mal les gros problèmes que tout le monde se pose. Donc c'est mal les rappels de dire que voilà, n'oubliez pas qui nous sommes, d'où nous venons, etc. Effectivement. Et ces rappels, voilà, parce qu'il y a beaucoup... Les gens perdent la mémoire, vous avez ce sentiment que les gens
Voilà, c'est pour eux. J'ai engagé de leurs origines, finalement. Voilà, voilà. En tout cas, nous, la jeunesse, on a cette impression. Mm-hmm. Donc, mais en même temps, j'ai l'impression que les esprits s'éveillent. J'ai l'impression que, voilà, il y a 3 ans, 4 ans, même on va dire il y a 10 ans, cette réflexion que j'ai aujourd'hui, je ne l'avais pas. Donc, j'ai l'impression que voilà, tout le monde s'éveille et ça se passe au même moment. Et donc voilà, après il y en a qui s'expriment à des discours, il y en a qui font des Asbel, comme dans la show, également des Asbel Change. Okay. Donc voilà, et moi je suis plutôt dans la musique, en tout cas, dès que je rappe en Lingala, c'est moi pour faire ce rappel de l'environnement. D'accord, en tout cas, on est heureux de le savoir. Je rappelle que vous êtes quand même entouré ici de pas mal de personnes qui pourront, le cas échéant, vous proposer de vous rencontrer, hein, pourquoi pas, créer des synergies, Radio MBT, créateur de synergies. Tire, ma diable de l'Aziz, j'ai beau me déguiser. Je reste triste de voir les miens, très tôt c'est volatilisé. Je vis les jours, quand vient la nuit, je me demande que devient les jours, avant que vienne ma mort. Compromis, je te garde dans ma mémoire. Comme moi, la MIF n'a pas voulu y croire. Comme moi, la MIF n'a pas voulu y croire. Bin, Ramazan est parti. Bin, Ramazan est parti. Je n'ai pas voulu y croire. Pour ne pas verser des larmes. J'ai même fui la réalité, mais elle m'a vite rattrapé. Ça doit le check.